Et la lumière. Ouf, je suis trop là. Salut les filles, salut les garçons, salut les autres deux, en fait. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo haul. Les hauls, je ne comprends pas. Enfin moi j'aime bien regarder les hauls. Ma dernière vidéo haul, Shein, a fait presque 91 000 vues. Ok, j'ai compris que vous aimez les vlogs et les hauls. Du coup je vais essayer d'en faire plus souvent, mais il faut savoir que bah les hauls, les vêtements, je ne les reçois pas souvent gratuitement, qui je paye. Du coup c'est un peu compliqué de vous faire des hauls chaque mois, parce que chaque mois je ne dépense pas énormément d'argent dans les vêtements, tout simplement. Dans ce haul, je vous prie de m'excuser, parce que de base ça devait être un haul spécial jean Shein. Lors de mon dernier haul, vous avez vu mon gros coup de cœur pour un des jeans que franchement les jeans de Shein, vous allez le voir là. J'ai acheté des jeans chez H&M, j'ai acheté des jeans sur Shein, rien à voir. Rien à voir. Du coup là, je vais vous faire montrer les jeans que j'ai trouvé sur Shein. Il n'y en a pas beaucoup, sorry, parce qu'après il y a deux jeans en fait que je n'aimais pas trop. Donc du coup, comme c'était des vêtements gratuits, j'ai pris deux jeans, un jogging, deux hauts. Il y a Champion, il y a du H&M, il y a PLT. Il y a un site internet aussi avec qui j'ai fait un partenariat qui s'appelle Adore, et qui m'a envoyé des articles. Vous allez voir ce que c'est, parce que c'est... Non seulement en plus j'ai eu des charges, j'ai eu des frais de douane, s'il te plaît. Ils m'avaient dit qu'ils avaient payé, mais ils ont pas payé. Le livret elle arrive là, vous devez payer. Ok, franchement je suis désolée, aujourd'hui je suis vraiment en mode natural. Je voulais vraiment faire aucun effort, il fait chaud, j'ai la flemme, là je suis en jogging, j'ai mon corset en dessous. Du coup voilà, on va commencer. Avec Shein, on a ce magnifique jean là, franchement Shein. Il n'y a pas Nadji, regardez, je fais 1m70 et il traîne par terre, les gars. Les gars, il traîne par terre. Mon fessier est bien mis en valeur, donc on kiffe. Franchement, j'y prends taille L, ok, j'y prends taille L. Et il est trop beau. La matière, il n'y a pas Nadji. Genre, il n'y a pas Nadji. Il est vraiment trop trop beau. J'espère que vous voyez bien comment ça traîne par terre. En fait, franchement, Shein, leur jean, il n'y a pas Nadji. Ils sont trop bien. Ils sont vraiment trop bien. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils posent vraiment pour les filles grandes, quoi. Parce que de nos jours, trouver un pantalon pas def pour les grandes filles, c'est un peu compliqué, hein. On va pas se mentir. Franchement, j'aime bien. On passe au jean suivant. Celui-là, que normalement vous avez vu déjà sur Instagram, que j'ai fait une photo avec. Franchement, comment vous dire que je kiffe ce pantalon. Non seulement il taille bien, tu vois. Il était bien. La matière du jean, c'est genre ça, c'est du, par contre c'est pas stretch là, ça c'est du vrai jean, genre c'est vraiment du vrai jean, genre vraiment vraiment vraiment. Les petites déchirures ici, franchement vous avez vu comment je l'ai mis de toute façon sur Instagram, j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé. Ici et tout, les fesses ils sont pas trop serrées, franchement non, il taille vraiment trop bien, genre franchement Shein. Shein côté jean, y a rien à dire. Il y a vraiment rien à dire. Il est trop bien. Trop trop beau. En tout cas, franchement, les jeans de chez Shein, je recommande fortement. Franchement, toutes ces compagnies là qui vendent des jeans hyper chers, je commence un peu à vous voir en bizarre. Rien à dire. La matière elle est trop bien. Ça te sert bien. Tu veux qu'on dise quoi de plus? Franchement, chez Shein, je pense que je vais vraiment commencer à commander mes jeans là-bas. Sauf qu'il n'y a pas tous les styles de jeans qui me plaisent, tu vois. Mais quand je trouve un jean qui me plaît, bah, je le prends. Et pour l'instant, côté jean, ils m'ont jamais déçu. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Regardez-moi ce haut, s'il vous plaît. Regardez-moi ce top, please. Please. Regardez-le-moi, en fait. Derrière, j'ai clairement pas fermé parce que je suis toute seule, il n'y a personne pour fermer. Mais c'est un corset style romance, style. Non, Lucator, c'est un raciste.
style, tu vois, Titanic, l'ancien temps. J'aime trop, franchement, je kiffe ce haut. Il fait tellement, tellement, tellement classe. Genre, ça, il fait trop classe. Je le vois porter avec un beau pantalon noir, peut-être pas d'air, une petite paire de talons, un beau carré. Je kiffe la matière, s'il vous plaît, les gars. La matière, s'il vous plaît. Les trucs bouffants comme ça. La matière, elle est trop bien. La qualité, franchement, c'est un haut. Je sais pas le prix, je mettrai là. Mais il vaut genre 40-50 euros. Genre, tu vois ça chez H&M, tu vois ça chez Zara. Ils vont pomper les prix. Or que de base, voilà quoi, c'est un haut. Je kiffe. Ensuite, nous avons ce magnifique haut aussi. Tu veux dire quoi? En fait, quand tu vois le haut, t'as juste un regard comme ça. Y'a rien à dire, y'a rien à dire. Le haut est trop beau. C'est un peu au style, le même style, un peu bouffon. Bouffon. Bouffon, mais là, bohème. Tu vois? Bouffon, bohème, mais rock parce qu'il est en cuir. Tu vois? Il sera en tissu blanc, simple, ça lui fait un peu bohème, tu vois? Mais là, le fait qu'ils ont mis du cuir, ça casse tout ça et j'aime trop. Genre, je kiffe. Genre, ce haut-là. Attendez, je vais faire des outfits sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram parce que c'est là-haut où je fais tous mes outfits. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, oui, on voit un peu mes seins, tu vois, mais bon. Après, c'est vrai, c'est compliqué ça, mais c'est directement parce que tu vas là-bas, il y a des charros. Tu vas là-bas, il y a des. C'est pas des charros, c'est des pervers. C'est-à-dire que là, je vais mettre ça peut-être en soirée. Je sais pas si je pourrais sortir comme ça en journée. Mais j'aimerais. Mais les gens extérieurs font que je pourrais peut-être pas. Du coup, là, on va passer au site Adore. Adore, c'est une compagnie chinoise, je crois. Parce que oui, ça vient de Chine et j'ai reçu des fils. Donc, oui, c'est une compagnie chinoise. Je vais vous montrer les quelques articles que j'ai sélectionnés. Franchement, vous allez juger. Tout premièrement, nous avons cette robe. Franchement, elle est belle. Elle est belle, on va pas cracher sur ça. Elle est belle et tout ce que tu veux. Déjà, bon, j'ai pas réussi à la former derrière. Mais au niveau de la taille, ça va, mais les cuisses et les fesses. Oh my god, ça me sert. Ça me sert trop. Mais la matière, elle est trop belle. Franchement, la matière, elle est vraiment super belle. Ici, il y a un petit truc là que tu peux fermer comme ça. C'est vraiment élastique. Ici aussi, tu peux resserrer. Par contre, elle est bien avec une tache. Elle est bien avec une tache, je comprends pas. Franchement, la robe, elle est belle. Tu vois, ce genre de robe là, moi, comme je suis folle, je mets basket chaussette. Genre, vraiment, je casse ce style là. Très bohème, très. Cupid et praline, je le casse avec avec des baskets et une paire d'Air Force, je pense. Mais en tout cas, la robe, elle est belle. La matière, franchement, il y a pas à dire. Elle est vraiment super bien, mais ça me sert trop. C'est à dire que je fais ça et je peux casser les robes des gens. Nous avons cette robe là. Ah, oui, j'ai pas mis de soutien, désolé. Hein. Je vais pointer sûrement. Nous avons cette robe là, elle est très belle. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est la couleur. Je trouve que je ressemble une folle avec mes cheveux là. Je trouve que la couleur me va super bien au teint, franchement. Elle me va bien au teint, mais je crois qu'elle est un peu trop grande. Genre, elle me sert pas comme je veux que les robes moulantes me servent, tu vois. Et franchement, mais bon, franchement, j'aime bien le col. Comment c'est le col et tout. Ça, c'est avec des baskets. Hein. Ça, c'est avec des baskets et des chaussettes. Et ici, en fait, tu peux la serrer, tu vois, si tu veux être une petite bitch, tu serres fort, sinon tu peux baisser. Moi, je vais mettre un peu au milieu. Et franchement, elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Elle est bien, même si bouf. La matière, c'est une matière normale, hein, mais j'aurais dû la prendre peut-être en M. J'y prends L. Elle est peut-être un peu trop grande. Hein. Ensuite, nous avons cette robe-là. Franchement, elle est belle aussi. Hein. Mais encore une fois, c'est trop grand. Genre. Ça me sert pas comme j'ai envie que ça me sert. Genre, tu vois, sur robe-là, ces robes-là, faut que soit ça sert, soit ça sert pas. En fait, il n'y a pas de juste milieu, tu vois. Mais franchement, franchement, elle est bien aussi. Elle est bien aussi, mais bon, je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Franchement, je sais pas quoi en penser. Et franchement, ce genre de robe, je ne le mets jamais sur Paris, le truc. C'est vraiment quand je suis en vacances et tout, que personne me connaît, que je mette ce genre de robe. Parce que hey, tu vas un peu marcher, que on va t'agresser dans la rue là. Non merci, je suis jeune, pardon. Elle est belle, mais il y a un truc qui fait que j'aime pas la robe.
Pourtant, il y a un drapé. Les drapés, c'est fait pour mettre le corps en valeur, tu vois. Mais, j'aime pas. Nous avons ce top-là. Franchement, il est super mignon. Super, super mignon. C'est un jean que je mettrais aussi avec un jean aussi que je mettrais avec un pantalon taille haute, bien haute. Par contre, j'ai l'impression qu'on voit un peu trop mes lolas. J'ai l'impression qu'on voit un peu trop mes seins. Mais bon, franchement, en vacances, je trouve ça c'est beau, tu vois. C'est un haut que tu wraps, je sais pas quoi appelle ça, que tu roules comme ça. Il est stretch ici, du coup, ça te serre pas, c'est cool. La matière aussi, elle est bien. Franchement, elle est bien, mais bon. À voir. I don't know. Je pense que je peux le mettre en vacances. Hein. Franchement, je pense. Même si, ouais, mais c'est vraiment expose. Hein. Eh, Seigneur. Mais ça, c'est vraiment expose là. Bon. De toute façon, on verra. Si vous voyez une photo sur Instagram avec, c'est dire que je suis sortie avec ou pas. Parce que souvent, il y a des vêtements sur Instagram que je fais des photos avec Instagram. C'est que pour Instagram. Genre, je sors pas avec, mais bon. Du coup, voilà. Sur le site, ça, le sac, il est trop, trop beau. Genre, franchement, dans le sac, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est, ils ont pris la forme du Dior. On n'a pas encore l'argent de s'acheter du Dior. Mais je compte dans un homme acheter un sac Dior comme ça. Il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Les couleurs, ça fait très vintage. Ça fait très old school. Ça fait très, je sais pas, le jaune et le bleu comme ça. J'aime trop. Franchement, je kiffe. Ce sera mon sac de tous les jours des vacances que je vais mettre. Parce qu'il est trop beau. On va passer aux deux derniers articles. Donc, j'ai acheté ce pantalon-là. Franchement, gros coup de cœur. Gros coup de cœur de chez Champion. C'est un pantalon, j'espère que vous voyez bien, tout ouvert sur le côté ici écrit Champion. Parce que je suis une championne en fait. J'aime trop. Franchement, il est super bien. J'ai eu à 20 euros au lieu de 65 euros, s'il vous plaît. 20 balles au lieu de 65 balles. Il n'y a rien à dire. Il est vraiment trop, trop beau. Vous inquiétez pas. Les outfits arrivent sur Instagram, bien évidemment. Et franchement, il n'y a rien à dire. Il est trop beau. Il est bien long aussi. Du coup, on kiffe. Comment vous dire que PLC, ils commencent vraiment à me décevoir. Genre, plus les jours passent, plus je commande, plus je reçois pas ce que je... Je sais pas, en fait. Tu mets des photos, il faut que ce soit comme sur les photos, je sais pas. Vous mettez des tailles, les tailles, ils sont pas bonnes. À un moment, faut se décider, quoi. J'ai du mal à respirer tout ça par rapport à moi. Faut que je maigrisse. Voilà ce que j'ai commandé sur PLC. Ce pantalon, c'est du 40, les gars. Je sais pas, peut-être c'est moi qui commence à faire du 42. Mais quand je commence sur Shein du 40, qui est une taille en plus chinoise, ça me va. Et pourquoi là, en fait, ça me va pas. Surtout que c'est stretch. Enfin, c'est pas une matière rigide de ouf. Le pantalon de base, c'est censé être un pantalon qui sert un peu. Et ensuite, ça part un peu à l'évasé. Et rouge, parce que j'avais une soirée, je voulais faire un thème. Enfin, je voulais m'habiller totalement en rouge, tu vois. Mais là, gros fail, en fait. Gros fail, mes fesses, ils sont... Cette fois que c'est compressé, en fait. Tu sens que la voix, elle est pas à l'aise dans le pantalon, en fait, tu vois. Tu sens, du coup, pelleté à un gros, gros fail, genre. Pelleté, je sais pas, toi, si je suis la seule à être déçue de pelleté, c'est dans le temps, mais... On peut pas en fait, on peut pas accepter. Le dernier article que j'ai à vous présenter, c'est une paire de baskets. Ce sont ce. Ouh là 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 là. Tu vois, jaune. Right, j'aime trop. C'est une paire de Jordan. Franchement, je commence à avoir une réelle passion pour les Jordan. Je compte m'acheter une autre paire aussi bientôt. Je les ai eues sur le site With A New pour 200 balles. Elles sont vraiment trop belles. Genre, elles sont vraiment. Trop, trop belle, il n'y a rien à dire en fait, c'est super simple, tout simple mais trop belle. De toute façon, suivez-moi encore une fois sur Instagram, c'est là-bas, je vais styler tout, mes paires, mes trucs. Du coup, ah oui, il faut que j'ouvre ça. Ça, je vais pas respirer, oui. Oh. Du coup, voilà les filles, les garçons et les autres deux. J'espère que ce petit haul vous aura plu. J'essaierai encore une fois, mais dites de mettre les liens en barre d'infos. Si j'ai des codes promo, je mettrai aussi tout en barre d'infos. Voilà, c'est un petit haul là, hein, franchement. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.